Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la star actuelle des réseaux sociaux en Afrique, le Ghanéen Sata Benda. Depuis un moment, on le voit distribuer des billets verts en se vantant d'être un homme riche. Mais il y a certaines questions qu'il faut se poser. Qui est vraiment Sata Benda? Est-il vraiment riche? Comment il est devenu star sur les réseaux sociaux et d'où vient sa fortune qu'il expose sur les réseaux sociaux? Pour tout savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez surpris de découvrir qui il est vraiment. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. C'est parti! Idriss Fidos, alias Sata Benda, est un jeune originaire du nord de Ghana. Atteint de nanénisme, il fait le buzz sur la toile actuellement, entre son pays d'origine, le Ghana, et le Nigeria. On le voit même en compagnie avec certaines stars de la musique nigériane, comme certains membres du célèbre groupe Pisquare. On le voit aussi embrasser des belles jeunes filles et manipuler des billets de dollars US. Tout est parti d'une vidéo pleine d'humour où il prétendait être plus riche que l'homme d'affaires Aliko Dangote, multimilliardaire nigérien, l'homme répondant dans une de ses interviews: si quelqu'un prétend qu'il est riche que moi, je ne vois pas de mal en ça, je ne suis en concurrence avec personne. Une réponse qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Certains même ont commencé à clasher Sata. D'autres disent: va arranger tes dents d'abord avant de te comparer à Dangote, ou augmente un peu ta taille puisque tu dis l'argent peut tout faire. Pour certains, Sata Benda serait en effet ami à un homme fortuné au crochet duquel il vivrait depuis un bon moment. Le concerné, un richissime ghanéen du nom de Nana Gojo Boateng, alias Dada Joey Remix, serait celui qui assurerait depuis un bon moment les factures de la star actuelle des réseaux sociaux au Ghana. Il se rapporte d'ailleurs que Dada Joey Remix aurait confirmé être le sponsor de Benda. Depuis le succès de sa première vidéo où il se vantait d'être plus riche que le milliardaire nigérien Aliko, Sata ne va plus s'arrêter. Il va multiplier ses vidéos à dose d'humour qui font marrer les internautes. De partage en partage de ses vidéos où il vante sa fortune qu'il estime à plus de 9,6 milliards de dollars américains. Il sera sollicité sur de nombreux médias comme une véritable célébrité. Manipulant les réseaux sociaux avec perfection, il continue à faire du buzz sur les réseaux sociaux et il continue à publier ses vidéos à dose d'humour qui font marrer les internautes. À noter que Sata est quelqu'un qui a compris l'importance et le poids des réseaux sociaux en sachant où frapper. Selon vous, qu'est-ce qui vous a impressionné dans cette vidéo? Mettez-moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner une pouce bleu. On se reprend très prochainement pour une autre vidéo.